à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis gelée. Je vous retrouve donc pour une vidéo diamantage donc de chez Gutfeld, les boîtes de rangement que j'ai reçues pour mon bureau. Donc je vais commencer par celle-ci qui me plaît beaucoup plus que l'autre, mais il faudra bien la faire quand même. Voilà, c'est celle qui est, vous vous souvenez, il y a des taches là. Mais bon, comme c'est derrière, j'espère que ça ne posera pas de problème. Et en plus, alors déjà, j'ai plus le scotch pour faire... Ah, mais non, c'est dans les... Je ne sais pas comment je vais faire, mon scotch, il est en haut au bureau. je suis en bas, celle-là, parce que mon mari est malade, je ne veux pas le déranger en haut. Mais j'ai beaucoup de choses en haut. Et puis là... Là aussi, il y a le plastique qui est pris dans les coutures. Alors, je vais prendre quoi? J'ai pas mon cutter non plus sous la main. Oh là là, allez, j'enlève tout ça comme ça. Ça, je le couperai. Je vais essayer avec le ciseau de le couper. Ouf, excusez-moi, le cognier là. Alors. Eh oui, parce qu'en fait j'y réfléchis, mais c'est vrai que au moment de coudre, ils sont bien obligés de mettre une protection plastique pour pas justement pour pas qu'il y ait de problème. Donc j'enlèverai après, hein, je fignolerai. Il y en a. Où est l'autre? Je ne trouve plus. Ah, c'est là. Je trouve plus le... Voilà. Là, c'est bon. Et là, est-ce que ça va être bon? Oui. Et là, pas trop. Pas trop. Voilà, j'enlève le plastique. Et voilà, il y en a encore un peu, mais bon. Donc, ça colle très bien. Donc, je vais prendre le matériel qu'on m'a mis avec. Et je vais éventuellement vous changer d'angle. En plus, la luminosité, elle n'est pas très belle. Il fait très gris aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça ira. Alors, je vais... les diams et je vais commencer par les gros. Je sais, c'est pas bien, mais ils sont très... Oh, je suis gelée, mais gelée quoi. J'étais en train de broder et je me suis dit j'ai besoin de mes boxes là, donc il va falloir que je les... Alors est-ce que la pince elle sert à quelque chose? Ouais, pas trop, hein. Alors, je vais plus prendre de la cire. Ouais, bah ça marche pas non plus. Et alors, évidemment, tout est en haut. Ah, ça y est, ça marche. Alors, je vais regarder. Ça, c'est quoi? Du coup, je veux faire vite. C'est le 7. Et le 7, ce sont les gouttes. Ah, il y en a deux des gouttes. Ah, ça doit être... Ah! Ça doit être celle-là, je pense. Voilà. Là, c'est beau. C'est mal barré, moi je vous le dis. C'est mal barré. Cette pince-là, je vois pas. Je comprends pas, en fait. Elle glisse, elle tient rien. Il va falloir que je monte. Je le sens. Je le sens. Oh! Mon stylo. Ah, ah, ah. Ouais, mais enfin, si je passe 8 jours. À essayer d'attraper un diam, ça.
C'est beau, hein? Voilà. Ouais, c'est beau ça, c'est beau, vous voyez pas trop, mais il faudrait encore que je change d'angle et que je vous mette en face en fait. Alors je vais tenter. Voilà, là c'est à peu près bien en face. Hop, j'essaye d'adapter pour vous, je vous signale en même temps. Alors, du coup j'ai le téléphone devant les yeux. Donc, ah, tiens, et si je les mettais à la main? Non, je sais pas. Non. Voilà. Il y en a un qui est tombé à côté. J'ai pas envie de monter. En même temps, c'est les plus gros, donc les autres, ça devrait le faire. Je devrais bien y arriver. Regardez comme ils sont beaux quand même. Allez, tournez-vous les petits. Là. Là. Alors. Il me semble que j'aurai pas trop de surplus. Allez, on remet de la cire. Là. Là. Hop là. Allez. Et j'ai pas l'impression que ça colle des masses. Regardez les bêtises que je fais. J'arrive plus à le décoller. Je crois qu'aujourd'hui c'est pas un bon jour. Je crois. Je crois, je crois. Yep. Voilà. Et il m'en reste un. Là. Dans l'autre sens, évidemment. Voilà. Donc j'ai un de surplus. J'en ai un là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'ils me disent? Donc je vais passer à l'autre goutte qui est celle-ci. Donc ça doit être. C'est le 10. Non, c'est pas le 10. Alors, le 7, je l'ai fait. Donc c'est le 8. Il me faut le 8. Le 8, c'est celui-ci. Alors, les ciseaux, là, hop, hop. Et évidemment, ça a collé. Alors, vous voyez pas ma barquette. C'est difficile de cadrer et de faire en même temps. Donc, du coup, maintenant, il est vachement loin, le truc. Alors, là, ça devrait le faire. Voilà. Vous savez à quoi ça me fait penser quand je fais ça? Au mandala de chez Aldi. Il y avait des gros diamants spéciaux. C'était un régal. Puis il était sur une toile sur châssis, là, donc c'était nickel. Et là, j'aimerais bien le faire dans l'après-midi, ce truc, parce que je voudrais un petit peu broder derrière. Je suis lancée dans ma broderie verte. Et j'avais descendu mon autre broderie, la nouvelle du nouveau site, Biggest Craft. Ah, il en manque. Alors, on va en mettre dans la barquette. Voilà. Et je voulais tester un petit peu, en sachant que la broderie, la toile était très raide. Voilà, ben là j'ai fini, il n'y en a pas d'autres. Alors, ça c'est quoi là? Ça en est aussi, non? Ça, oui, ça aussi c'en est, mais j'en aurais pas assez. Non, c'en est pas. C'est pas possible. Pourquoi il y a des jours où il n'y a rien qui va? Parce qu'il m'en faut une, deux, trois, quatre, cinq. 1, 2, 3, 4. Ah, il m'en reste pile poil 5, quoi. Alors, 1, 2. Si je me trompe, eh bien, je me trompe. 3,
4. Et le dernier. Vous voyez, des fois, il y a du surplus. Ben là, il n'y a pas beaucoup de surplus. Il n'y en a même pas. Voilà, j'ai juste le bon nombre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais faire le rouge, comme ça. Alors, le rouge, comme ça. Ou celui-là, c'est du carré. Celui-là, carré, c'est le numéro 10. Alors, le numéro 10, je l'ai vu, le numéro 10, tout à l'heure. Et pourquoi, là, je ne le vois plus? Parce qu'il est là, le numéro 10. C'est celui-ci, c'est joli. Numéro 10. En plus, il ne faut pas trop que je vous laisse coller non plus. Parce que ma durée d'enregistrement, là, à chaque fois, il y a des problèmes. Alors, on rapproche le centre. On va un petit peu retourner les trucs. Il n'a pas l'air de bien briller, celui-là. Hop. 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 Il y en a beaucoup et je ne sais pas si j'en aurai assez. Allez, tournez-vous, les petits. Je fais bouger le socle. Évidemment, il est collé à moi, il est collé à mon corps. Alors, tournez-vous les petits. Là. Là. Il me reste ceux du sang. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, vraiment, ça me fait penser à... Il y en avait un, Aldi, il y en avait quatre en tout, et il y en avait un qui était hyper bien, quoi. Eh bien, ça me fait penser à ça. Allez, tournez-vous, et c'est reparti. Hop, puis alors évidemment, ça me colle au haut. Là. Là, et encore un. Et voilà, donc là, je pense que c'est bon. Il n'y en a pas d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, je mettrai mon scotch après. Parce qu'en fait, tout mon... Ah non, j'ai le... à côté de l'ordi, il doit y avoir du scotch. Ensuite, eh bien, je vais m'amuser. Après, il y a tout ça à faire. Je vais vous montrer les principales, les beaux. Puis après, le reste, je le ferai toute seule, comme une grande, dans mon coin, sans vous. Alors, c'est celui-là. Alors, ah, puis en plus, il ne faut pas se tromper de couleur. D'accord, alors il y a le bordeaux et le rouge. Donc, on va commencer par le rouge. Le rouge qui est le 9. Voilà, le 9, c'est ça, donc. Vous voyez? Le 9. Voilà. Ouh! Alors là, j'en ai mis, hein. J'en ai mis. Mais bon, y a, apparemment, il y en a pas mal. Alors. Hop. Donc, c'est le rouge. Hein. Je ne veux pas me tromper. Excusez-moi si ça bouge. Celui-là, il est à l'envers. Voilà un. Alors, je vais tourner le travail. Voilà. C'est silencieux. Ça fait du bien. Voilà deux. Je vous retrouve quand j'ai terminé. Voilà, j'ai fini donc le rouge, le numéro 9. Pourtant, c'est bizarre, là, j'ai un sacré surplus, hein. J'en ai oublié? Non. Là, regardez tout ce qu'ils m'ont mis, quoi. Il y en a beaucoup, hein. Donc ensuite, je vais faire les mêmes, mais en violet, donc c'est le 11. Donc c'est celui-ci. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais tous les sortir. Allez, zo. Soyons fous. Alors, c'est dans ce sens-là. Donc, il y en a un là. Il y en a un autre là. Il est beau, hein. Franchement, il est beau, hein. Je veux...
Bon, après, il y a tous les petits diams, c'est les petits qui vont me gaver. Voilà. Alors, est-ce que là, il y en a d'autres? Non. Donc, c'est bon, j'ai deux de surplus. J'ai deux de surplus. Qu'est-ce qu'il y a de gros? Ben, il n'y a plus rien de gros. Donc, ben, on va commencer par le tour, là, parce que ça colle. Mais alors, pour trouver ça, là, c'est quoi, ça? Alors, ça, c'est un C comme ça, d'accord? Donc, ça doit être ça, c'est le 3. Alors, le 3, c'est quoi? Oui, c'est du vert. Du vert dans du bleu. Et le G, c'est quoi? C'est du 6. Le 6, c'est du vert aussi. Alors, ben, moi, je vais couper mon 3. Hein. Excusez-moi de vous faire bouger, mais vous êtes d'accord avec moi, là? Celui qui est là, comme ça, c'est celui-là. On n'a que ça qui peut aller de toute façon. Oui, on n'a que ça. Donc, c'est bien le 3. Et c'est du vert. Et évidemment, ce sont des petits diams. En fait, c'est des strass, mais c'est petit. Voilà. Dans la barquette vert, du vert, bonjour. Ah ben, je suis pas arrivée, moi qui me disais tu vas le finir vite, comme ça ah, il te restera assez de luminosité l'après-midi pour faire un petit peu de point de croix. Je crois que je vais faire la grande illumination dans le salon. Ou alors je ferai plus rien parce que je serai fatiguée de cette boîte. Ma foi. Alors je ne vous mettrai pas en accéléré parce que ça va me. En plus, j'ai. Ah, je croyais que j'en avais pas. En plus, j'ai trois vidéos là qui sont enclenchées dans mon téléphone, donc qui me prennent de mon espace de stockage, forcément. Donc, je ne vais pas faire en accéléré. Voilà, ben, je vous retrouve quand j'ai fait tout le tour. Voilà, j'ai terminé donc tout le tour. J'avais laissé la télé. Je suis devant le film de Noël. Donc, j'ai fait tout le tour là comme ça. Et maintenant, j'ai pris donc le pour faire la lettre G. Donc, c'est cette couleur, un vert un peu clair. Et donc, ben, je vais attaquer. Et par contre, je vais peut-être aller allumer la lumière parce que c'est. Enfin, vous voyez clair, mais moi, c'est très très sombre en fait. Je vais faire un petit bout là avec vous. Hop. Là. Et il faut que je fasse. Et il y en avait aussi là des verts. C'est joli, hein, franchement. J'aurais dû prendre deux mandalas. J'ai voulu avoir deux différents. Bon, ma foi, mais je sens que je vais m'embêter peut-être pour l'arbre. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien la régularité. Ah, tiens, pourquoi c'est à l'envers, celui-là? Hop là! Allez, tu viens là, toi. Voilà. Voilà. Je regarde en même temps là, mais je regarde aussi mon écran de téléphone pour voir ce que vous voyez. Si c'est bien ou pas. Voilà. Et je vous retrouve donc quand j'ai tout terminé la lettre G. Voilà, j'ai terminé. Donc que l'image reste dans ce sens-là, je suis obligée de prendre mon téléphone dans la main. Donc voilà. Alors maintenant, je vais attaquer tout ce qui est H. Et le H, c'est le numéro 1. Donc c'est du jaune doré. Voilà. C'est agréable à faire, hein, ma foi. Alors je vais remettre un petit peu de cire. Et donc, hop, en avant, on va attaquer. J'en ai peut-être mis un peu trop dans la barquette. Voilà.
C'est très beau, mais il me tarde que ça soit fini, quoi. En fait. Voilà. Et je vais donc continuer. Et je vous retrouve quand j'ai terminé donc tous les H. Et il y en a beaucoup. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de regarder le film de Noël. J'ai versé quelques larmes, forcément. Voilà, donc maintenant je vais faire tout ce qui est rouge comme ça. Donc ce sont des blancs AB. Voilà. Alors pour le jaune, hein, j'ai mis 30 minutes au moins. Parce qu'on dirait pas, mais eh ben, c'est quand même un peu fastidieux. Toutes ces jolies petites choses en diamond painting qui semblent... Oh, on va le faire en 1 heure. Bah tiens. Alors je crois pas qu'on va le faire en 1 heure, non. Voilà. Donc je continue le blanc, tout le blanc, et je vous retrouve après. Et voilà, j'ai terminé le blanc. Donc maintenant, alors je rattache le téléphone là sur le support. Je vais peut-être le pencher un petit peu doucement. Et entre-temps, j'ai téléphoné à mon papa parce qu'il avait eu un problème de dents hier. Et du coup, ben aujourd'hui, on lui a arraché la dent. Mais il va mieux. C'est le principal parce que le mal de dents, c'est terrible. Alors maintenant, je vais faire tout ce qui est là, bleu. Et donc, c'est des strass bleus. Allez, c'est parti. Voilà. Et après, il me restera le rouge. Le rouge, il n'y en a pas beaucoup, donc ça ira. Le bleu, il y en a pas mal quand même. Alors, le bleu, là. Ah, mais je les ai mal. J'en ai trop mis dans la barquette. En fait, c'est un bleu très clair, donc presque translucide. Voilà. Donc. Hop! Je parle plus du coup. Je viens de parler pendant je sais pas combien de temps au téléphone. D'ailleurs, j'ai un peu soif. Faudrait peut-être que j'aille voir mon mari aussi si tout va bien, mais je pense que tout va bien. Parce que déjà à midi. J'allais monter pour le chercher pour manger. Et hop, il était en train de se lever. Donc, il me disait que ça allait bien mieux avec les médicaments que j'avais achetés ce matin. Et puis jeudi, il a rendez-vous chez le médecin. Voilà, donc je vous retrouve quand j'ai tout terminé le bleu. Voilà, donc j'ai terminé tout ce qui est bleu, bleuté. Hop, je remets sur mon support. Et il me reste le rouge. Est là, donc il n'y en a pas trop, donc tant mieux. Hop, il est beau ce rouge. Oui, ça manquait un, je sais pas. Allez, on y va. Alors là, j'ai la toile hyper loin. Oups. Et de plus en plus, il fait de plus en plus sombre. C'est triste, hein. Bientôt il va faire nuit. Quelle heure il est là? Il est 5 heures moins le quart? Oui, il est 5 heures moins le quart déjà quand même. Ouh, j'ai mis du temps. Bon, j'ai téléphoné à mon papa, évidemment. Mais j'ai mis du temps. Puis j'ai écouté le film. Là, c'est le deuxième. Voilà, et moi qui voulais faire du point de croix tout de suite après, c'est pas possible. La lumière, elle n'est pas bonne. Et j'aime pas trop les lumières artificielles. Voilà, je vous retrouve quand j'ai tout fait cette petite partie-là. Voilà, donc j'ai tout terminé. C'est super beau. Super, super beau. Je vais... Ah, il y a un petit diamant qui a giclé là-dessus. Donc on va l'enlever. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ah, j'en ai senti un là. Ouais, c'est un bleu. Alors. Je regarde un petit peu s'il n'y en manque pas comme d'habitude pour moi. Donc là, apparemment, tout est nickel. Je vais vous le montrer de plus près comme c'est beau. Regardez un petit peu. C'est beau, hein?
Enfin, moi, je trouve ça beau. Très, très beau. Donc, une fois que c'est fait, hop là, il est le fond, il est là. Et voilà, j'ai ma jolie boîte. Je vais changer d'angle pour que vous la voyez mieux quand même. Et voilà, là vous la voyez mieux. Elle est magnifique. Alors, il ne me reste plus qu'à l'encoller. Et ensuite, elle ira sur mon bureau. Et en fait, à l'intérieur, je mettrai tout ce que j'ai à faire des petits objets de Noël, de mes partenariats. Et je saurai qu'ils sont là et il faut que je les fasse. Voilà, donc il me reste plein de diamants qui vont rejoindre ma bonbonnière en haut. Et je trouve ça super beau. C'est vachement beau, quoi. Elle est super belle. J'aurais dû prendre deux genres de mandala. C'est un mandala, ça. J'aurais dû prendre deux, en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous avoir fait partager le diamantage de cette belle boîte de rangement pour le bureau. Elle fera très jolie. Je vous montrerai au fur et à mesure, moi, de l'avancement de mon bureau aussi. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis bye.